Salut, c'est Laurent du blog Bâtard Extrême. Alors aujourd'hui, on va voir un rythme funk en 7-8. Donc c'est un peu compliqué, enfin pour ceux qui connaissent pas, qui ont l'habitude de jouer en 4-4, là ça va sortir un peu des sentiers battus. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de télécharger la partition dans la description, comme ça vous l'aurez chez vous et vous pourrez suivre en même temps. Alors pour ceux qui me connaissent pas, ça fait 14 ans que je fais de la batterie et j'ai un blog pour aider les batteurs à progresser, que ce soit débutant, intermédiaire ou avancé. Alors maintenant, je vais vous présenter ce rythme et je vais d'abord vous le jouer et ensuite on verra en détail comment il se compose. Donc déjà, la signature 7-8, ça veut dire qu'on joue 7 notes. La valeur de la note, ça va être des croches parce qu'on a le 8 en bas. Et donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut aussi compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Alors la complexité de ce rythme, c'est déjà à la fois de compter et à la fois j'ai mis des croches et des doubles croches pour complexifier encore plus la chose et rendre le rythme assez intéressant. Donc pour réussir ce rythme, je vous propose deux exercices à faire pour y aller graduellement. Donc le premier rythme, c'est un rythme qui va être juste en croche. Et le deuxième rythme, on va rajouter des doubles croches en fait. Et ensuite, à la fin, on va rajouter tout ce qui manque. Donc pour le premier exo, je vais vous montrer à deux tempos différents, donc à 60 bpm et ensuite à 100 bpm. On aura des coups de grosse caisse sur les quatre premières notes, donc sur le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps et le quatrième temps. Et ensuite, la caisse claire va venir sur le troisième temps et sur le septième temps. Donc c'est un peu perturbant la dernière note parce que du coup on termine avec la caisse claire sur le 7 et on doit revenir directement sur le 1 avec les 4 coups de grosse caisse. Donc ça c'est un enchaînement qui est un peu compliqué à faire, c'est pour ça que je vous conseille de le faire vraiment doucement et à compter en même temps que vous le faites. Donc si je le compte, ça va faire poum, poum, pa, poum, ts, ts, pa, poum, poum, pa, poum, ts, ts, pa, poum, poum, pa, poum. Alors maintenant, si vous êtes arrivé au rythme précédent, on peut passer au suivant. Donc en fait, on va juste rajouter des coups de grosse caisse. On va garder la même structure, sauf qu'on va mettre alors un coup de grosse caisse sur le E du cinquième temps et un coup de grosse caisse sur le E du sixième temps. Donc en fait, c'est sur les contretemps et ensuite la dernière grosse caisse va s'enchaîner directement avec la caisse claire du septième temps. Donc là, il faut bien faire attention de bien compter. Et vous pouvez compter les contretemps en faisant 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Donc si je le compte en chantant, ça va faire boum, boum, pa, boum, ts, boum, ts, boum, pa, boum, boum, pa, boum, ts, boum, ts, boum, pa, boum. Voilà, je vous montre ce que ça fait à la batterie au deux tempo. Voilà, donc maintenant on va passer au rythme en question. Donc on va garder tous les coups de grosse caisse et de caisse claire. Et maintenant on va rajouter les coups de charlet avec les doubles croches.
Donc au lieu de jouer avec une main, là on va jouer avec deux mains pour que ce soit beaucoup plus pratique. Donc là il faut faire attention quand on va rajouter les charlets en double croche. En fait, les grosses caisses vont tomber avec la main gauche parce que c'est sur les contretemps. Donc c'est un peu inhabituel et ça peut demander du temps d'adaptation. Voilà, je vous montre ce que ça fait à 60 et 100 BPM. Et ensuite, je me suis amusé un peu à partir de ce rythme, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de varier un peu, et j'ai trouvé une variante à vous proposer. Donc en fait, c'est juste déplacer la deuxième grosse caisse, donc sur le deuxième temps, et la mettre sur le E du premier temps. Donc en fait, on va avoir deux grosses caisses qui vont suivre, un petit silence sur le deuxième temps, et ensuite reprendre avec les deux grosses caisses. Voilà, je vous montre ce que ça fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger les partitions dans la description. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao!